petits amis de No Life, c'est la rentrée, ça fait plaisir de vous voir. Entrez donc. Regardez, j'ai un invité prestigieux. Hey. Salut monsieur Tom, mesdames, messieurs, Tom Novembre, artiste, acteur, chanteur. Eh oui, et c'est la rentrée pour tout le monde. Oui, c'est vrai, donc c'est un peu au théâtre bientôt, oui, vérifiez vrai, les plus. Affiches. Oui, oui, bon, on va en reparler, venez rentrer donc. On n'est pas là pour ça. On est... En fait, si j'ai fait venir Tom, évidemment, c'est parce que c'est aussi un sacré castagneur à Soul Calibur et qui va me péter tout mon mobilier. Ah bah moi, dès que ça peut péter un... C'est la bagarre. Oui, ça n'a jamais été fixé, ça ne le sera jamais. On va jouer à Soul Calibur, il y a écrit « Modérate violence ». C'est ce qu'on va voir, si ça va être de la violence modérée. On a des comptes à régler avec Tom. Japan Expo, on s'est un peu frité. Il m'a eu de justesse. De justesse. De vraiment justesse. Donc on va aller de ce pas régler nos comptes. Parce que ça ne va pas se passer comme ça, voyez-vous. Marcus, on a des je te à laisse ouvrir la route. En fait, c'est le seul moment où je serai fair play. Après, ça rigole plus. Non, alors pour dire, pour parler de fair play justement, c'est bien qu'on en parle tout de suite. Il faut dire que j'ai invité Tom et qu'il n'est absolument pas entraîné et il n'a jamais vu le jeu à part quand on a joué tous les deux à Japan Expo. Ouais. Il n'a pas joué depuis. Non. Donc, ça va pas être facile. Alors, il faut qu'on parle à cette caméra-là au début, le temps qu'Alex Pilote s'installe. Je te donne toutes les astuces de chez Marcus. Et donc voilà, aujourd'hui, on va découvrir ensemble Soul Calibur. Je me suis très peu entraîné. Je te promets que c'est vrai. J'ai juste ouvert quelques personnages. Mais avant qu'on se frite à la Japan Expo, il avait quand même affronté 500 personnes. Ah oui, c'est vrai. Ah bah, le reste du monde. Donc, c'est vrai. Hein, c'est comme le vélo, hein, on perd pas tout, hein, surtout si on a joué aux versions précédentes, parce que c'est un Soul Calibur 4. Oui, exactement. 4. Alors nous, on est habitués à jouer en fait aux 2. Oui, quand parce on fait que nos dans soirées le 2, il y a la version par équipe. Ah, voilà. Où vous pouvez jouer à plusieurs, programmer et vous passer le relais d'une manette à l'autre. Genre 4 joueurs dans chaque équipe. Voilà. Et donc, dès qu'il y en a un qui meurt, il passe le relais à l'autre de son équipe. Et nous, on adore ça. Et bah, ça n'y est pas, Tom, dans Soul Calibur 4. Je vous tout de suite, vous avez un mode online, hein, certainement, mais vous n'avez pas ce fameux mode équipe. Donc, on est dégoûté, hein, monsieur Soul Calibur. Mais il y a du fun quand même. Oui, voilà, on va rigoler quand même. On est là maintenant. Voilà. La caméra est bien plantée, tout ça. Mais bon, Soul Calibur, c'est toujours un petit peu... Hein, ah bah c'est peu... beau, c'est beau, hein. Et puis il y a de l'action, alors, c'est ça qu'on aime bien. C'est des beaux jeux graphiquement. C'est vrai, c'est magnifique. Puis, on sent qu'ils affinent leur processus. Il y a des nouveaux coups, on trouve les mêmes persos que d'habitude. Ouais. Mais c'est plus beau, avec des nouveaux... Il y a une base. Des coups super. Allez, c'est parti pour la bagarre. Je te propose de la jouer cool au début, c'est-à-dire on découvre, machin, on se fait pas, d'accord, pas de mal. On frappe, fait de la démo. Voilà. Puis à la fin de l'émission, on se dit, allez, les trois derniers matchs, on règle nos comptes. Voilà, d'accord, je te l'accorde. Alors, donc vous voyez bien qu'on retrouve tous les personnages, tout le monde, hein. Voldo, Ivy, qui c'est que j'ai vu passer, Mitsurugi. Maxi. Je prends Maxi, moi, tiens, c'est mon préféré. Mitsurugi, tiens. Voilà. Mitsurugi, très bien, avec sa queue de cheval de porc épique. Allez. Moi, je prends Maxi. Toujours les deux tenues par tête de pipe. Hein, ah oui, à chaque fois. Alors d'ailleurs, maintenant, on peut acheter des tenues. Donc, j'ai ouvert... J'ai pris Ivy et je l'ai customisée. Elle est déjà assez sexy, Ivy, à la base. D'accord. Et je lui ai mis les plus petits vêtements que j'ai pu trouver. Donc... C'est bon à savoir pour tout à l'heure. Donc, on va la prendre tout à l'heure et vous verrez ce que ça donne. Pourquoi ça marche pas? Ah, parce que parce t'es à droite et moi à gauche. Non, parce que je n'avais pas lancé mon personnage. Très bien, regarde-moi cette tête de tueur. Beaucoup de décors, vous avez remarqué? J'ai pas compté. Va sur la deuxième à droite, là. Si ça nous plaisait bien. Un peu à gauche. Voilà, ça. Ah, il y a des dodos. Marais lointain. C'est pas mal ça, j'aime bien l'idée. Le Tsurugi contre Yvan Le Bolloc. Il y a une ressemblance quand même. Ah, tu tournes des caméras café en ce moment, des nouveaux épisodes. Ouais, nouvelle génération. Alors sans Le Bolloc et Solo, mais avec toi qui reste... guest, je deviens le patron de la nouvelle boîte, puisque tout se passe chez Digix, la boîte où je travaillais avant quand j'étais... C'est l'étage au-dessus de là où bossent les gars de caméras café. Voilà, mais tiens-toi en garde, il faut savoir, c'est le problème avec Soul Calibur, c'est qu'on peut en caser une, on en met une. Je vois ça, ça paraît assez fort. On avait dit fair play, mais j'ai dit que... Dans mon coin. Serait... On avait dit fair play, oui, c'est vrai qu'on avait dit ça. Alors en plus, j'ai pas pris le plus fin. Bah oui, surtout que Maxi, il est réputé pour ça, ils sont petits nunchaku là. Pas grand chose à en faire. Oh, alors les parades ne servent toujours pas à grand chose. si, regarde. Pas toujours. Un peu de progrès, je me suis dit ça va te plaire. Parce que Tom, alors à chaque fois qu'on fait un jeu de baston, je crois que je vous l'ai déjà dit, mais la phrase qu'on entend toujours de Tom, c'est « Oui, mais on peut pas parer. » Voilà. Donc, c'est devenu une légende. C'est vrai, on peut pas. Là, on peut parer et c'est même assez important. Oh, tiens, parle-moi ça. Oh, joli. C'est alors, même c'est assez toujours... important. Ah, merde.
T'as vu qu'il y a des dodos autour de nous? C'est classe, il y a vraiment des super. Et on ne peut pas découper le dodo, faire du poulet, préparer. Du poulet, oui. Gris, ça ne fait pas partie du truc. Elle est belle, celle-là. Oh, c'était pas mal. Donc il y a des shops, hein, comme avant. Oh voilà. Oui, voilà. Bah, c'était un shop que je voulais faire. Dès qu'on appuie sur deux boutons en même temps, ça fait des trucs sympas en général, j'ai remarqué. Hein. Donc, enfin, mon petit entraînement. Oh, j'avais fait une belle parade anticipée. Ouais, oh, qui n'a servi à rien. Alors j'ai pas essayé de prendre un personnage et de comment voilà. Et d'apprendre les coups. J'ai un peu tâtonné avec quelques-uns, mais pas tous. Et tu verras que j'en ai ouvert, j'y ai pas touché. Il y a écrit N comme New, ça veut dire qu'ils sont encore dans l'emballage, je n'y ai pas touché, je te le promets. Oh. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir essayer tous les deux. Alors est-ce qu'il y a du ring out? Il y a du ring out. Sauf qu'il écrit, tout est en français monsieur. Donc il écrit sortie. Oh dis donc. Salut, j'ai bien paré cette histoire. Et pourtant. Pas mal. Et c'est... alors, on a mis combien de rounds là? Deux. Crois, hein, c'est deux. Alors, il reste en français écrit rediffusion en haut à droite. C'est-à-dire que c'est une rediff. Souvent, sur nos lives, on a des rediffs. Bah, voilà, déjà une rediff dès la première émission. C'est pas mal. Donc, une victoire pour moi. Mais on a dit qu'on les comptait pas. Non, on a dit qu'on. Pas, hein, c'est pour vous faire plaisir. On va changer de personnage. Alors, mais là, nous faisons un spécial jeune femme. Alors, regarde, Ivy, elle a son costume habituel. Cassandra, bien sûr. Donc, déjà, c'est Taki. Super beau. Hein. Ils ont vraiment fait des trucs magnifiques. Ouais, c'est vrai que ça. Amy. Voilà. Ah, c'est des nouveaux, ça. Ils ont tous deux. Oui, il y a des nouveaux. Il y en a qui s'appellent Algol. Comme de l'alcool, on le prendra tout à l'heure. Al Gore. Alors regarde, ça c'est les costumes d'Ivy. Et regarde le costume que j'ai créé moi pour Ivy. C'est-à-dire j'ai acheté avec l'argent que j'ai gagné un costume de petite secrétaire perverse qui va beaucoup te plaire, je pense. Je vais prendre cette soutif. Regarde, je l'ai mis en soutif, j'ai mis des lunettes, une queue de cheval. Ouais. Ah on oui. peut choisir. Je vais prendre Setsuka, une nouvelle venue dans la galaxie. Oh, ah bah c'est deux styles qui s'opposent. T'as pas plus sexy comme costume? Ne cherche pas la jauge. Jauge, c'est quoi? De point de vue. C'est quoi, dit-il innocemment. Tiens, tu crois que je vais faire avoir? Je vais voir si elle. Voilà, je vais la prendre dans l'autre version. Voilà. Voilà. Oh, bien. Magnifique, j'avais pas vu celle-là, tu vois. Voilà. Ouais. Donc t'as vu tous les personnages où il y a écrit New, ça veut dire que je les ai pas encore essayés du tout. D'accord. Donc, on peut découvrir. Allez, on change de décor pour varier les plaisirs. Voilà. Oh, le petit manège, là, c'était pas mal. Oh, mais ça, que de merveille. J'espère qu'on va avoir le temps. Les bateaux, j'espère qu'il y aura des marins. Il y a... j'ai ouvert... comment il s'appelle? Est-ce qu'il y a un mode histoire et c'est oui, celui oui. qui sert à tout débloquer? Ridicule, le mode histoire. Attends, le scénario est débile. Ah. J'ai pris Yoda, moi, il dit, oui, Yoda sont une perturbation dans la force, alors il va voir et puis frite tout le monde, voilà. Ouais. Et c'est très mal écrit, les phrases, ça veut rien dire, c'est verbeux, c'est moche, enfin... Au niveau de l'écriture, c'est nul. Par contre, t'enchaînes évidemment les combats avec brio. Et avec brio. Même si t'es un touriste comme moi. Oh, c'était joli ça. Ça arrive assez facilement. Hop, c'est pas regarde, mal. Regarde, ce qui est joli, regarde, c'est... regarde ça. Regarde ça. C'est ça très rentre joli, comme elle se soulève. Pas mal. C'est joli. C'est le moi, j'ai préféré. Pris un fouet, t'as remarqué. Ah oui, mais bon. Hop, la sténo. La sténo dactylo en prend ouais. son grade. Il est temps que je réagisse. Ah, je voulais t'attraper, attends, ça aurait été bien. Ah, oh, j'ai essayé. Ah merde, voilà. C'est moi qui aurais dû le faire. Tu voulais faire une chop? Ouais, mais le problème, c'est que je me gourre toujours de boutons. Ça va venir, ça va venir. Donc, n'oublie pas la parade bouton vert. Ah oui, alors j'aime beaucoup ce coup parce qu'on voit sa culotte, regarde. Voilà. Donc voilà, ah ouais. j'aime bien. Moi aussi. Voilà. Ah, c'est des coups, alors après, on prend plaisir. Ah, voilà, voilà. Oh, on voit le jupon, là, cette fois. Oh. Parfait. Ah, attends, laisse-moi faire un chop. Ah, pardon, vas-y. Bah, on a dit qu'on faisait ah, oui, oui. Bien. Voilà, ça c'est son show. Bien, elle est habillée comme une cosplayeuse de Japan Expo, toi. C'est assez impressionnant à voir. Oh là là, je vais me faire. Oh, oui. Ah, voilà. Parce qu'on fait pas très attention. Non, non, mais on est surtout. Honnêtement. Ah, ouah. Ah. Ah non, c'est la rediff, pardon. On en profite pour admirer au ralenti mes courbes généreuses. J'ai vraiment pris les petites, ah, oui, petites oui, fringues non, que oui. j'ai pu oui, trouver. Oui. Elle est en soutien-gorge. Elle est habillée avec les fringues, tu sais, des volleyeuses de. Ah oui, de Dor Alive. Exactement. Dor Alive spécial volleyball féminin. Ah, oh, j'ai refait le même truc. Bon, est-ce qu'on va changer de personnage perso, vas-y. Voilà. On est là pour vous en faire voir un maximum. Voilà. Vous en mettre plein la vue. Alors j'ai rouvert Cervantes. Je trouvais qu'il ressemblait beaucoup à Jacques Weber. Alors j'aimais est... bien. Une ah, sorte de pirate, il est pas mal. Pas mal. Alors je vais aller voir en bas. Alors tout Saint ce qui est N, c'est des nouveaux. Je les ai jamais utilisés encore. Hein. Vraiment, alors, je n'ai pas Yeun Seong. Tu faisais allusion tout à l'heure au dernier, ouais. à la dernière, au dernier épisode de chez Marcus qui s'est déroulé à Japan Expo où j'ai affronté 20 candidats choisis au hasard à la foule et où j'ai gagné, curieusement. Mmh. 14, je crois. Non, 16 à 4, je crois. J'ai gagné 16 fois et j'ai perdu que 4 fois. Donc, effectivement, j'avais un peu d'échauffement.
Et je t'ai mis un beau premier round. Oui, et c'est vrai. Au deuxième, de justesse. Et au troisième, encore plus de justesse. C'est vrai, allez, c'est vrai. Ville parce de que comme ça ne nous suffisait pas, et ben après ce combat contre 20 personnes, on est allé sur un coin de stand de chez Ubi, je me souviens bien, s'affronter avec Tom sur Soul Calibur. On a bien rigolé. Donc, tout à l'heure, on prendra notre revanche. C'était là. Déjà un beau jeu, mais c'était juste une démo. On ne voyait pas tout le combien il y avait de... De perso, hein, de perso, de décor, oui, c'était très limité. Bon, il y avait le Yoda qui était censé faire le... Oh. Ah bah Yoda, on va le montrer enfin, parce que j'ai pas pu vous faire voir. C'était une de mes grosses frustrations dans le dernier épisode de chez Marcus, c'était de pas pouvoir vous faire voir Yoda. Dans les murs. Ah oh. Oh, oui, bien la chope. Alors attends, lui, avec lui, j'avais découvert des trucs hallucinants. Si j'arrive à le refaire... Oh, regarde ça. Boum. Oh. Je me... Il recule et il revient. Boum. Voilà. Ah, putain, et j'ai la même en hauteur, j'avais trouvé ça super. Alors, aussi, tu disais, tu m'as dit tout à l'heure, que oui. Quand on faisait deux... Ouais. Oh, pas mal. Quand on faisait quand deux... Quand on appuyait deux boutons en même temps, alors ça fait des coups spéciaux en plus. Ça fait toujours des trucs, des ça paye bien. Coups, hein. Double coup, ça paye toujours très bien. Oh, c'est beau bien. Tout ça. Si j'arrive à te refaire celui que j'aime bien, un truc qui me permet de sauter en l'air et de t'aplatir comme crêpe. Tu veux celui-là, faire, j'adore. Voilà, pouf, oh, c'est ça. T'as vu? Boum, voilà, je te le refais. Voilà. Ah oui, d'accord. Donc voilà, dès que c'est deux boutons, ça paye. Et là, je reprends une manche pour l'honneur de mes enfants, qui ne nous regardent pas, mais qui mais qui seront fiers de leur papa quand même. Voilà. Ouais. Bon. Pas mal. C'est qui dit bon. Non, mais t'as raison. Suivant. On sent bien le joueur. Égalité. C'est ça voilà. Qui est bien. Choix du perso. Alors, bah, choix du personnage, c'est toi qui choisis là. D'ailleurs. Ah, ouais. Pas mal, hein. Alors, ça. Ah ouais, ouais, ouais. Quand même, dommage qu'il n'y ait pas ce mode équipe qu'on adore, nous. Je ne comprends pas. Ah oui, si vous aimez jouer à plusieurs ou entre potes. Lizardman. Oh, moi, bah, j'ai fait partie des pressions. Prends Yoda. Moi, je vais prendre Rock là, parce que c'est un nouveau et je ne l'ai pas vu encore. Bon, alors, et regarde-moi ce look. Il prend Yoda. De rhinocéros. Bon, on prendra Yoda la prochaine prochain fois. Prochain coup, Yoda. Mais bon, Yoda, vous connaissez Yoda. Oui, Talim. Yoshimitsu, ah oui, c'est des personnages. Ah, Zalazamel! Zalazamel, qui faisait partie du 3 d'ailleurs, qui était au centre de la. Ah, oui, qui c'est ne vrai. Combattait quasiment pas, si mes souvenirs sont plus. J'ai pas beaucoup joué au 3, parce que du coup, on est resté scotché sur le 2 à cause moi, de moi, j'avais ce fait équipe. L'histoire en espérant débloquer des trucs. Et finalement, non, c'est allez, toi qui choisis. Ah, temple égyptien, c'est bien au. Il est au beau, random, beau. On s'en sort. Et donc toi tu l'avais fait le 3, t'étais ah, oui, avancé, ouais, pas mal, de bloquer pour débloquer des persos et tout. Il était beau, ouais, il était bien. Moi j'ai joué en touriste hein, et au bout de j'ai fait le mode histoire, le mode arcade, tu vois, j'avais de quoi acheter, parce que tu gagnes de l'argent, ouais. Tous les personnages que t'as vus là qui sont nouveaux. Alors lui je connais pas, donc oh, il met des coups de tête de rhinocéros, c'est pas mal. Il m'a l'air un peu lourd comme garçon. On sent le gars bat plus vite, tout de suite, voilà. Un peu, voilà. Ah, je voulais te faire un prise pour voir. Moi, j'aime aussi, ce que tu veux. Ah, voilà, c'est tiens. Ah oui. Oh, c'est bon cette prise. Le rhino de ce... Est-ce que tu veux que je me calme un peu, histoire que non, t'es prise à toi. Oui, oui. Attends, je vais... Vas-y, petite prise. Hop. Bien, lui. Ah, pas il mal. Il a un swing au golf, ça pourrait donner quelque chose d'intéressant. Bon, j'ai laissé finir parce que t'avais pris de la bande. C'est vrai, mais c'était maintenant... plus la peine. Donc, allons-y. Il y a une grosse masse d'armes, un slip en peau de bête. Il a des cornes partout. C'est assez impressionnant. Oh. Les deux gars qui veulent absolument parler. Hop, boum, boum. Oh putain. Allez, voilà. Ah, pas mal. Hop, rock'n'roll. Alors donc, c'est une prise de rock'n'roll. C'est ça, c'est un petit passe. Hop, il te passe derrière. Et hop, il est juste entre les jambes et il revient. Et donc, il faudrait un mec avec une mini-jupe. Pour bien faire, un rhinocéros avec une mini-jupe. Pop, pop, ça s'appelait le coup par derrière. C'est bien connu de nos amis traîtres. On voit du tout. Non, c'est très fair play oh, en plus. Voilà, hop là. J'avais dit pour la première émission. One for the money, two for the show. Hop pas mal. Là. Moi j'avais dit pour la première émission de rentrée, j'inviterais quelqu'un qui aura la gentillesse de me laisser un peu gagner. Voilà. Mais non, tu connais mon fair play légendaire. Ben justement. J'ai dit au début, j'ai donné, j'ai prévenu. C'est vrai, au moins c'était clair. Ouh. Mais je n'ai pas compris ce qui s'est passé à Japan Expo, comment j'ai pu vaincre 16 personnes alors que j'étais pas entraîné.
Je serais secrètement doué. Mais je pense que les 16 personnes non plus ne l'étaient pas. C'est possible. Ça aide beaucoup. Il y avait un peu de tout. Il y avait un peu de tout. Alors, allons-y. Ok, oh, c'est reparti. Deux à deux, choix du personnage. Choix du personnage. Voilà. Donc Yoda, vas-y. Ah, Yoda, oui, voilà. Alors, on joue aujourd'hui sur Xbox 360. Le jeu existe aussi sur PS3. Sur PS3, il n'y a pas Yoda. Al Gore. Al Gore, oui, prends Al Gore. On va combattre le réchauffement climatique. Donc là, sur la version Xbox, il y a Yoda, qui n'est pas sur la version PlayStation 3 normalement. Oui, ça, c'est un peu... C'est ce qu'on dit. On verra plus tard, à mon avis. Et sur la version PS3, en revanche, il y a Dark Vador. Oui, c'est ça. Et son apprenti de Star Wars Unleashed, tu sais, un nouveau jeu Star Wars qui est super d'ailleurs, que je testerai bientôt. Ouais. Et donc, l'apprenti, il est dans la version PS3. Et il est aussi dans cette version parce que je l'ai affronté. Ah, d'accord. Alors, je ne l'ai pas débloqué, mais comme je l'ai affronté, je me doute qu'on pourra y jouer. Et je ne sais pas si on peut quand même pas jouer sur Vador, sur la version Xbox. Peut-être en l'achetant plus tard sur le Xbox Live. Ça sent la magouille un peu comme ça. Mais dans un premier temps, il faut choisir. C'est soit Yoda sur Xbox, soit Vador sur PS3. Alors, c'est très joli manège. Alors, voyons voir si on... Oh, il vole. Ah oui, il vole un petit peu. Mais aussi, est-ce qu'on peut casser le décor un petit peu? Oh là là. Je sais pas. J'ai pas réussi à casser le décor pour le moment. Il n'y a pas de... Ah, voilà, il y a des trucs à distance. Une petite boule de feu. Oui, il y a des trucs à distance, il y a un peu de tout. Normalement, Yoda utilise la force, j'ai pas trouvé comment, mais on peut. Et moi, il vole, moi, le mien. Alors, ce qui est super, c'est que... Pourquoi je voulais Yoda, moi, et pas Vador, finalement? Parce que Yoda est tout petit. Et je me dis, oui, c'est le seul personnage de Soul Calibur petit, en fait. Donc, toutes tes attaques hautes, là, tu peux les mettre de côté, parce que ça servira à rien. Parce qu'il doit être difficile à choper. Ben ouais, ouais. Par exemple, regarde, toi, tout ce que tu fais en haut, voilà, il peut rien m'arriver. T'es obligé de te baisser. Attends, mais comment je fais pour me baisser? Ben, faut que tu tapes avec les pieds ou autre chose. Ah, là, il est à genoux. Mais j'arrive pas à te prendre. Et du coup, je me disais... C'est une formule. Tout bien, tout honneur, bien entendu. Et je me disais, c'est intéressant, parce que du coup, ça donne un style de jeu forcément différent. Et je vois pas d'autres personnages en Soul Calibur petit, à part Link de Zelda, mais qui était pas si petit. Là, tous les coups hauts, ça passe au-dessus. C'est sûr. Donc, je trouve ça plus intéressant que Dark Vador, bon, qui utilise la force, qui déplace les gars à distance et tout. Regarde, ça, c'est des coups à deux boutons. Alors moi aussi, tiens, je vais essayer du coup à deux boutons. Ah bah, oh, il est joli, celui-là. Oh, la vache. J'ai envie de faire sentir mes pieds de Yoda. Oh, non, c'était lui encore. Je vais en essayer un autre, peut-être. Oh, un truc enflammé. Ça, faut que j'apprenne à le refaire absolument. Oh putain, tes boules de feu, j'aimerais bien. Hop là. Ah, il est trop petit. Allez, je suis sympa. C'est sympa d'arrêter parce que j'étais mal barré, j'arrive plus à m'en sortir de cette. Oh, il y a des trucs qui apparaissent. L'alcool, il envoie des boules d'alcool. Et après, t'es vraiment et tu peux pas défendre. Il a une double griffe assez. Oh, des trucs pas mal. Il a pas un bras, non, c'est pas lui. Il y en a un qui a un bras qui balance des missiles. Oh. Oh. J'ai 1m203, hein, je vous le remets. Non, bien... Voilà, vous avez ce coup-là qu'on peut affirmer. Hop. Et j'aurais bien aimé attraper. Alors attends, juste un truc, on peut menacer, grenouille. Regarde. Si tu me frappes pas. Ouais. Voilà. Afraid are you? Voilà, ça c'est des trucs pour motiver un peu les trucs. Yeah. Oh merde, tu me fais distance. Et si tu te pointes, alors je peux te. Ah bah là, je pense que. Voilà. La voix est pas mal, la voix de Yoda. C'est un peu Kermit, on dirait un peu Kermit quand même. Et sa façon de sauter en l'air, on dirait assez Sonic. Oh, j'aurais bien aimé arriver à l'attraper. Mais bon. Je pense que comme je suis petit... Oh là là, Maître Yoda, il en prend plein la tronche. Il faut souvent la manette vers le bas. Faut se baisser, ouais, ouais. Mais bon, on n'a pas testé triple rond. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas beaucoup de... Il y a pas beaucoup de trucs genre quart de cercle et tout ça, comme Street Fighter. C'est vrai. Mais il y a beaucoup de jaune, rouge, vert, bleu, enfin beaucoup de trucs. Il y a aussi un truc nouveau dont on n'a pas parlé, tu peux appuyer, qu'on avance, excuse-moi. Non, je choisis perso. C'est qu'on peut déshabiller les personnages. Ça, on va faire une démo. Tiens, si on y arrive, c'est pas facile. Si. Ah, je vais prendre, comment elle s'appelle, Sophicia, que j'ai toujours détestée, parce qu'elle ressemble trop à Sophie Marceau. Elle a une super armure et elle a un peu la classe pour une fois, regarde ça. Et moi, je vais prendre Setsuka. Je l'ai pas déjà prise Si, tu l'as prise, c'est celle qui avait son ombrelle. Ouais. Alors, tu peux taper dans les nouveaux, là. Je vais taper dans les nouvelles, je vais prendre Talim. Très bien, on la connaît déjà, Talim, hein, avec ses petits poignets. Non, je vais prendre Seongmina. Je l'ai pas déjà prise, celle-là. C'est une sorte de Kilik au féminin avec un bâton, si je me souviens bien. Bon, bah allez. Alors, regarde Sophicia comme elle est mignonne. D'accord. Alors, je me toujours sous les personnages, moi, voilà. Et donc l'idée, c'est qu'on peut déshabiller, je disais, c'est pas pour plaisir de déshabiller. Si par exemple tu tapes plusieurs fois la tête, elle va perdre son casque.
ou alors son bouclier si tu tapes plusieurs fois sur les bras. Eh bien, on va en donner la démonstration immédiatement grâce à... comment s'appelle-t-elle Sophicia. Sophicia. On a eu Jardin Impérial. Très bien. C'est bien, on a plein de décors sans les choisir. Qui changent. Pour le moment, à l'aléatoire, on s'en sort bien. Sophicia, c'est... comment elle s'appelle? Sophie Favier. Parce qu'elle est blonde, je crois que c'était Sophie Marceau. Oh, ça, c'est le vieux décor, là. Il était beau, ce décor. Ouais, me redit tout. Alors. Donc regardez bien, en haut à droite, sous nos jauges, vous voyez trois petits bâtons verts. Ils sont censés représenter... Voilà, j'ai cassé un truc. Non, pas encore. Non. Regarde. Bah, tape-moi que à la tête, par exemple. Fais des coups que à la tête. Voilà, ça c'est du beaucoup à la tête. Normalement, au bout d'un moment, ça devrait me virer mon casque. Alors, peut-être regarder. C'est toujours évidemment qu'on veut montrer les trucs que ça marche pas. Ouais. Oh, non, ça n'a pas été très efficace. Bon, peut-être ça se fera en cours de combat et tout ça. Oui, mais en tout cas, on peut virer des accessoires de l'adversaire. Et quand je disais, j'ai fait mon perso, là, j'ai habillé ma petite Ivy de manière très sexy. Chaque pièce d'armure ou d'équipement te donne des bonus. Là, j'essaie de t'enlever les pieds. Les pieds, c'est pas mal. Ah oui, bah, enlève-moi mes chaussures. Oh, mais pourquoi? Je disais, chaque pièce d'équipement vous donne des bonus. Par exemple, un casque vous protégera mieux qu'un chapeau ou des trucs comme ça. Donc, quand vous équipez votre personnage, faut pas juste faire joli. Essayer de faire un truc qui rende le personnage plus puissant. Donc des fois, on a des personnages super mal habillés, mais super puissants. Voilà. J'essayais de te casser tes jambières, mais à coup de pompe. Ça n'a pas marché. Il faudrait peut-être que je pars et que ce soit casser les parades, en fait. Ah, peut-être. Je suis pas assez fin pour les jeux de baston pour on va remettre ça. Quoi, c'était déjà... Non, Alex me fait signe que c'est fini. Rejouer, Pas rejouer. Changeons de personnage. Ah bon, d'accord. Et attends. Et donc maintenant c'est parti, on fait notre vrai combat. D'accord. D'accord. D'accord, parce que l'heure tourne et il va falloir bientôt déjà, y aller. Ça passe tellement vite. Donc bon, on fait règle imposée. On va prendre que des nouveaux. Moi j'aimais bien Raphaël à l'époque. Non, bon, allez, je vais reprendre mon vieux Raphaël, mais il est moins bien là, je trouve moins bien. Attends, il y en avait un dans les que j'aimais bien. Où est-ce qu'il est? Voilà, Raphaël à la classe. Il y en avait un avec les deux drapeaux dans le dos. Oh, là, super classe. Avec les drapeaux Yoshimitsu, c'est chez dessus, le, tout en bas là, N là. À gauche. Voilà, Yoshimitsu. C'est lui Yoshimitsu. D'accord, j'étais dessus. Ah, c'est vrai que tu aimes bien celui-là. Ouais, regarde, il a un petit masque, Raffaello, il va au carnaval. Oh, il est dégueulasse Yoshimitsu cette année, je l'avais pas vu. Ah oh non, Jardin Impérial, bon bah on y retourne. Donc là, pas de blabla, pas de démonstration, on y va. Mmh. Et bonne chance que le meilleur gagne. Au pifomètre. La dernière fois, ça a été vraiment serré. Donc, cette fois. Ah oui, il vole et tout. Oh, la sale tête qu'il a. Ça me faire un plaisir de lui triper. Toi, t'es bon avec Raphaël. C'est le beau gosse. Bien, Raphaël, j'ai pas joué du tout là. Dans cette version-là, j'ai vraiment pas joué avec lui. Donc, je me souviens d'un coup d'épée avant qui marchait super bien. Mais je ne pense pas qu'il y soit. Oh, bah, ça commence très mal pour moi. Mon Raphaël n'est pas en forme. Je retrouve pas du tout mes coups d'avant. Gracieux, mais alors pas très efficace. Oh putain. Bon, alors ça c'est pas mal, mais c'est tout ce que j'ai. C'est pas terrible, faut bien que je trouve autre chose. Oh, ça commence très mal. Je suis vexé. Attends, que je. Ouais, bon, allez, excuse-moi, je dis attends, puis j'y vais. Je suis vraiment un traître en fait. Ça va être vite réglé en deux rounds si je me réveille pas très très vite. Raffaello, je l'aimais parce qu'il avait des coups. Ah, regardez, tout nu, voilà. On a la démo qu'on voulait vous faire voir. Raffaello, torse nu. Bon, bah, c'est bien, beau. Comme ça, on voit la démo. Ah bon, alors, je vais me servir de mes pieds parce que l'épée, il n'y a rien à faire. Ça suffit pas. Oh, la vache. Sans pitié. Il avait prévenu, c'était sans pitié. Non, en général, je suis bon sur les premiers rounds. Eh ben voilà, bon ben on va rester sur cette très belle victoire. Tom, merci mille fois d'être venu. Ça déjà mais oui, mais bon. Dimanche on continue nous en privé. Oui, c'est vrai. Donc ça va se régler ça. Pas ce dimanche-là, il y a des rivales. En tout cas, nous, c'est toujours un jeu bien distrayant. Ah ouais, c'est cool. Hein. Bien convivial. Et voilà, malgré le manque avec lequel on se fait des amis. La preuve? Oui, la preuve. Donc bon, nous on se retrouve dans la vraie vie pour continuer. Nous on vous recommande chaudement Soul Calibur 4, évidemment, malgré l'absence du mode équipe. Si vous allez encore à l'école, au lycée, en fac et tout ça, il ne faut pas non plus que les jeux prennent le pas sur la vraie vie. Les études, c'est important. C'est la rentrée. Mais une petite baston de temps en temps, ça fait du bien. Allez, travaillez bien et jouez bien. Et puis nous, on se retrouve bientôt. Et Tom, merci encore une fois d'être venu. Non, mais c'est toujours un plaisir.
Eh ben, à la prochaine, alors. À la prochaine. À dimanche. Ciao, amigo. Oui, vite. Allez, bien. Direct. Mais pas le Raffaello, parce que... Je fais du perso.